Salut à tous, ici Omnisport TV et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment convertir un fichier, donc film, comme la dernière fois avec Pharma Factory, et par la suite le mettre sur votre télé. Donc ça après je le filmerai avec une caméra. Donc tout d'abord vous allez aller sur Pharma Factory, donc n'ayez crainte, le lien de téléchargement sera dans la description. C'est un logiciel gratuit, donc n'ayez pas peur de payer ou d'autres choses comme ça. Donc c'est la prenez bien la 3.3.1, mais le lien sera dans la description. Donc je vous avais expliqué, si vous avez vu ma dernière vidéo, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne, à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc je vais vous montrer comment transformer le film qu'on avait téléchargé la dernière fois, donc c'était Piranha 3D, en AVI, pour être bien sûr que ça aille sur notre télévision, que le format soit pris en charge par la télévision. Donc pour cela, vous allez cliquer, attendez, je vais le mettre en grand écran pour que vous voyez mieux. Donc vous cliquez sur AVI, vous allez sur Ajouter un fichier. Voilà. Bon, tac. Cliquez là. Film. On va prendre Piranha 3D. Donc le fichier va apparaître. Voilà, parfait. Vous mettez changer pour la destination. Non, ça c'est peut-être pas la destination. Ah, non, ouais, si c'est ça. Donc, OK. Vous mettez OK. Et démarrer. Donc, va y en avoir pour à peu près une demi-heure. Donc, je vais faire une petite coupure et on se retrouve tout à l'heure devant la. Enfin, après le téléchargement et par la suite sur ma télé pour vous montrer comment ça marche. Pour mettre des vidéos ou même je vais peut-être mettre une ou deux musiques pour vous montrer sur la télé si ça peut être pris en charge. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Donc ça y est, nous revoilà pour la fin de ce tuto. Donc je viens juste de terminer le téléchargement. Il en a fallu pour 45 minutes, enfin pardon, pas le téléchargement mais de conversion du fichier. Donc voilà, notre fichier a été converti, donc on peut éteindre ça. Il est juste ici, donc il s'appelle Piranha 3D, donc il a été converti directement. Donc on va le copier, on va le couper-coller sur notre clé USB. Voilà. Tac. J'ai mis un autre film au cas où celui-là ne marcherait pas si jamais je l'avais mal converti. Et je vais mettre une petite musique pour vous montrer ce que ça fait également. Hop, on va mettre. Bon, ça. Fun Radio, allez. Le son d'Eslan 2014, je crois que ça s'appelle. Copier. Hop. Non, c'est pas ça. C'est ici. Coller. Ça bug un peu parce que je viens de télécharger, enfin voilà, télécharger on va dire ça, Adobe After Effects. Donc je vous ferai peut-être une vidéo aussi dans quelques temps pour comment on l'utilise, etc. Voilà, donc on va attendre le temps que ça se termine. Donc comme je vous ai dit, donc ce tutoriel a été fait à partir de Pharma Factory. Le lien du téléchargement va être dans la description. Donc bah je vais couper le temps que le couper-coller se termine. Voilà, donc notre film a été mis sur notre clé USB, donc on peut le voir là, Piranha 3D. Là le fichier de 40 musiques est en train de se terminer, donc voilà, il reste 5 secondes. Hop. Voilà, donc on en a terminé pour l'ordinateur, vous pouvez le laisser tranquille. Et maintenant, je vais vous montrer pour la télé. Salut à tous, ici Omnisport TV, on se retrouve pour la dernière partie de ce tuto. Donc vous avez mis tout à l'heure votre film sur la clé USB et la musique. Donc moi c'était Piranha 3D et Animal de Martin Garrix. Donc j'ai déjà branché au préalable ma petite
clé USB, elle est juste ici. Voilà. Donc, normalement, un message devait s'afficher, ça a été le cas tout à l'heure. Donc, moi, je l'ai déjà fait, donc ne vous inquiétez pas. Il y a un message qui va s'afficher normalement en bas à droite quand ça va être votre cas. Donc, vous cliquez sur Internet vidéo, donc c'est ce bouton-là, je viens de le faire. Vous descendez, vous allez sur clé USB. Et vous sélectionnez Pierna 3D. Voilà, donc ça charge. Et voilà, votre film s'affiche. Donc n'ayez pas peur, c'est que s'il n'y a pas de son, c'est parce que j'ai si j'avais un micro. Donc hop, voilà, là vous avez le son. Voilà, votre film marche, il est en bonne qualité. Pour ce qui est de la musique, vous sélectionnez musique. Voilà, donc vous prenez votre clé USB, vous descendez sur Animal. Et alors la magie, écoutez. Vous avez votre musique sur votre télé. Voilà, donc après vous pouvez le faire avec plein de musique, plein de films, du moment que votre clé USB est à un espace de stockage assez suffisant. Donc on se retrouve tout à l'heure sur mon ordinateur pour le bilan de ce tuto. Et voilà, notre tutoriel touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à lâcher un commentaire ou même à vous abonner. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde. Portez-vous bien. C'était Omnisport TV.